pelé le plancher de briques oranges et je place la grosse roche plate pour m'asseoir, contempler, méditer. Côte à côte, l'énergie de la guerre, l'énergie de la paix. Je crois à la sagesse du jardin. Je suis sa messagère. La vue des briques et des pierres me frappe et me transporte aux anciens jours. Enterrés sous la terre, les vestiges de l'industrie et de l'histoire se mêlent et réveillent en moi des sentiments tendres, sensibles. Je me retrouve là, où vit le passé collectif de l'humanité, toujours endormi. À lui, je chuchote, réveille-toi, je t'écoute. Ma tête et mon cœur, inclinés à la terre, les vertus du jardin m'inspirent. Lorsque les conditions sont mûres, les fleurs s'épanouissent, m'éblouissent. Leur énergie vitale nourrit mon besoin de me lever, réaliser et démontrer mon plein potentiel humain. Au cœur de la méditation, il y a la paix. Une bonté innée et un esprit de compassion. Ce sont les semences à planter sous la terre. Plantez-les si profondément que les racines qui poussent toucheront bientôt le berceau de l'humanité. Écoutez l'appel du soldat universel. Que les semences de la paix soient bercées, nourries, soutenues, pour qu'elles puissent agrandir et nous aider à voir notre humanité commune, dont nous promettons de servir avec grâce, dignité. En tant que gardienne du jardin, je vous invite à entrer. Le parfum dans l'air, il coule, circule. Il va vous entourer et entrer dans votre âme. Êtes-vous prête à me joindre? Que toute l'humanité puisse connaître la paix.